Imaginez le pire. Imaginez que dans une autre dimension, Jean-François ne soit pas le responsable syndical que nous connaissons, venant en aide à chacun et chacune d'entre nous, les ouvriers sacrifiés au nom d'un capitalisme sans limite pour satisfaire quelques actionnaires assoiffés et jamais rassasiés. Imaginez que dans une autre dimension, il soit l'un des leurs. Je veux parler de tous ces dirigeants et directeurs, utilisant la ressource humaine pour en faire de la misère humaine, simplement pour que l'action ne prenne ne serait-ce qu'un dixième de pourcent. Imaginez que Jean-François soit Monsieur Caparros, directeur de l'usine pharmaceutique 3ème Santé de Pithiviers. Et rendez-vous avec moi dans une autre dimension. RTL, il est 13h. Merci de nous rejoindre et tout de suite en ligne, notre reporter Laurent qui a pu joindre M. Caparros, directeur de l'usine 3ème Santé de Pithiviers dans le Loiret. Jean-François Caparros, bonjour. Bonjour. Alors, Jean-François Caparros, vous avez annoncé aux salariés de 3ème votre intention de licencier une partie du personnel, c'est-à-dire 110 salariés sur les 235 que compte votre entreprise. Ah ben, pour nous, c'est un démantèlement pur et simple du site. Hein. Donc pour nous, l'objectif, c'est pas 110, c'est 235 salariés. Vous voulez dire que vous voulez fermer le site et licencier tout le personnel ? C'est exactement ça. Mais quelles sont les raisons qui vous poussent à fermer cette usine ? Pour faire le maximum de profit dans le laps de temps le plus court. Et comment réagissent les salariés ? Étaient-ils déjà informés ? Ça, c'est un démantèlement du site qui a été organisé de longue date. Certains salariés affirment que vos intentions sont de partir avec la caisse, entre guillemets. Que répondez-vous à ces accusations ? Oui. Vous semblez être embarrassé, dites-nous en plus. Juste un petit chiffre, il y a 135 millions d'euros. Mais c'est énorme, vous ne voulez pas partager cette somme avec les salariés ? Faut pas se faire d'illusions. Vous n'accepteriez pas ? Oui, c'est tout à fait inacceptable. Alors, que mettez-vous sur la table des négociations, si je puis me permettre, pour les salariés, les ouvriers, comme ils s'appellent eux-mêmes ? Là, c'est que le début de la procédure, on va commencer les négociations. Mais monsieur Caparros, si vous n'avez rien à leur donner, les négociations avortent avant même d'avoir commencé. Ouais, oui. Alors, que dites-vous aux salariés qui veulent rester sur le site, préserver leur emploi ou bien partir dans des conditions acceptables ? C'est inacceptable. Tout le monde doit partir en même temps. Sans le moindre centime. Et les salariés qui ont encore un travail ? Alors, on a aussi un petit problème là. Effectivement, il y a une activité que vous n'avez pas encore réussi à supprimer, il me semble. C'est l'activité de chimie fine, c'est-à-dire la fabrication de principes actifs. Alors, Monsieur Caparros, pour faire pression sur les syndicats, vous avez enfermé dans les toilettes Luc Rousselet, le représentant syndical Force Ouvrière, ainsi que Marie-Christine, une de vos salariées, ce matin, durant une bonne heure, c'est ça ? Oui, ce matin, de 9h à 10h. Nous avons d'ailleurs recueilli le témoignage de Marie-Christine et de Luc ce matin à la sortie des toilettes. Alors, Marie-Christine, comment vous sentez-vous après avoir passé une heure enfermée dans les toilettes avec Luc ce matin ? C'est très fatigant c'est dur de se dire qu'on a participé. Je ne comprends pas bien. Vous voulez dire qu'un petit ouvrier pourrait naître de cette séquestration ? On attend les résultats. Merci Marie-Christine et bon courage. Luc, un commentaire sur les conditions dans lesquelles vous étiez retenu avec Marie-Christine ce matin ? Finalement, les conditions dans lesquelles j'étais, c'est pas si important. Ça s'est plutôt bien passé avec Marie-Christine ? Oh, vous savez, si ça a permis de faire en sorte de sortir de l'impasse dans laquelle nous étions... Monsieur Caparros, au terme de leur séquestration, vous auriez même utilisé un seau d'eau pour les libérer. Est-ce exact ? C'est exactement ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait aucun licenciement sec. Et maintenant, vous voulez durcir le mouvement. Vous menaceriez en effet de faire carrément sauter le site. C'est bien cela, Monsieur Caparros ? Ouais, oui, c'est avec le peu de personnes qui restera. Mais oui, c'est toute la ville qui va en subir les conséquences. Les sous-traitants, les commerçants, enfin même les élus en ont conscience. Hein. Et vous avez pour cela contacté le général Mailly, responsable force militaire à votre quartier général de Cergy. J'ai transmis l'information à Mailly. Mailly s'en occupe et m'appelle demain matin et on verra ce qu'on fait. J'ai pas d'autres communiqués à faire.
Mais tous ces moyens déployés pour fermer votre site, les vigiles, la force militaire, cela vous coûte tout de même de l'argent. On a quand même un bénéfice de 74 millions d'euros. Monsieur Caparros, on dit que vous allez toucher une enveloppe pour la fermeture du site et le licenciement de vos salariés. On peut savoir ce qu'il y a dans cette enveloppe ? Il y a 300 000 euros. J'ai pas d'autres communiqués à faire. Bien. Monsieur Caparros, merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Merci, au revoir. Monsieur Rousselet, reste ici. Monsieur Payou, que se passe-t-il ? Monsieur Rousselet, reste ici. Vous ne voulez pas le laisser sortir des toilettes ? Bon, il y a eu certaines avancées. Mais cela ne vous satisfait pas ? On est déçus, on va dire, on est déçus. Mais alors, que voulez-vous ? Quelqu'un d'autre ? Vous voulez enfermer quelqu'un d'autre avec Monsieur Rousselet, mais qui ? La directrice des ressources humaines. Et oui, chers auditeurs, comme vous l'entendez, la situation a l'air de s'aggraver, voire de dégénérer. Je rends l'antenne. À vous les studios.